Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le PC. Je vais vous présenter une petite compo PC Gamer, tu connais, plus intéressante. Et voilà, bon les gars, avant de commencer cette jeune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a un mail là qui est très important, tu vois, ça m'aiderait vraiment pas mal. Et aussi, pensez au flow Twitch et le kick, comme ça on est bon. Et on est parti pour montrer ce jeu de PC Gamer plutôt intéressant, avec vraiment pas mal de bons produits plutôt intéressants. Donc on commence par un Intel i5, i5 12400F. Oh, c'est vraiment pas mal, cadencé en 4 GHz et en 2,5 GHz. Donc voilà. Après, on a un petit refroidissement Arctic, toujours en air cooling. Je suis en train de chercher le mot, je connais pas, enfin, le water cooling. En vrai, sur un i5, ça sert à rien. Hein. Si vous voulez juste avoir du style, mettez un water cooling, mais juste voilà, si vous en foutez du style. Après, c'est pas un PC de zinzin, tu vois, pas trop RGB, hormis le boîtier. Bon, t'es obligé, le boîtier, ça ne peut pas faire grand chose. Tu as un bon boîtier. Après, en carte mère, on met une Gigabyte B760 Plus, enfin DS3H. En fait, j'ai pris ça parce que c'était le moins cher, littéralement. Ah, elle est là. Ah, 159 euros. En gros, il y avait plus, mais c'était vraiment cher. Allez, sans Wi-Fi, je précise. Hein, si vous voulez faire la même compo que moi, les gars. Comme ça, mais sans RGB, sans, enfin, il n'y a pas beaucoup d'RGB, même sur la carte graphique, je crois, il n'y a pas d'RGB. Après, en RAM, on a pris du Corsair en DDR5, parce que c'est obligé avec la carte mère. Elle est là, la RAM, pas où elle est, mais elle a, elle est à 87 euros sur le site de l'LDLC. Mais en gros, le PC, il faut le monter vous-même, comme ça coûte vraiment pas cher, tu vois. Enfin, comparé à moi, je le fais sur le site, ça vaut 1500 euros, mais 1,60, mais je le monte toi, si tu t'y connais un peu. Tu montes et c'est pas cher, enfin c'est beaucoup moins cher, hein, parce que c'est quoi une marge de zinzin DLC. Bon, je leur fais pas de, une mauvaise pub, hein, mais voilà, je leur dis que c'est cher. Bon, il n'y a aucune pub dans cette vidéo, juste pour montrer un bon PC gamer. Je suis pas en partenariat, je voulais savoir. Bon, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien, mais non, ils l'ont pas fait. Après, en carte mais carte graphique, pardon, j'ai pris une RX 7800 XT, 16 Go de VRAM. C'est une carte Asus, hein, tout ce qu'on aime. Après, en SSD, on prend un P3 1 Tera. Si vous faites du streaming, les gars, ou des vidéos sur YouTube, tout ce qu'on dit, si vous êtes streamer, YouTuber, TikToker, prenez 2 Tera. Moi, j'ai mis 1 Tera pour pas, pour ceux qui stream pas, ceux qui font du tout, à part du gaming, comme beaucoup de personnes. Après, en boîtier, j'ai pris un MSI MPG Velox 100R. Très bon boîtier, en plus, je l'ai juste à côté de moi là. Bientôt je vais monter une petite config dedans, je vous ferai une petite vidéo si je la monte. Après, en alimentation, ah, attendez, non non non, je me suis trompé, en alimentation, alimentation à mettre toujours Asus, mais ouais, mais celui-là, parce que je crois que ça consomme pas de zinzin. Voilà, une Asus TUF Gaming 750 watts en 80 pouces gold, je crois. Ouais, 80 plus gold. Normalement, elle est full modulaire. Je sais pas si c'est écrit. Normalement, oui, full modulaire. Hein. Normalement, c'est full modulaire. À savoir si on voit ça. Non, normalement, oui. C'est une full modulaire pour ceux qui s'intéressent. En gros, full modulaire, ça veut dire que tous les câbles sont pas accrochés directement à l'alimentation. C'est vous devez mettre les câbles sur l'allume. Donc voilà, en vrai, moi je pense que ce bon. En plus, c'est moins cher là, tu vois. 1480,60 centimes euros. Bien sûr, n'oublie pas. Et si vous voulez la config, les gars, elle est toute ici. Voilà, attends, je vous laisse faire la photo. Juste à droite, en vrai, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'aimerais même la faire, mais c'est juste, il y a un truc qui me convient pas, c'est la carte graphique, tu vois. La RX 7800 XT. En gros, moi. Comme je joue, tu vois, en même temps je fais du stream, il me faut une carte Nvidia. Et donc Nvidia, c'est que t'as, y a un encodeur vidéo que tu peux faire des vidéos avec. Parce que je crois, AMD sont pas très corrects avec les encodeurs. Enfin, ils n'ont pas un bon encodeur vidéo pour faire les vidéos YouTube. Et en même temps faire du stream. Et voilà, ce que j'ai entendu, ce que je pense, que je pense, c'est vraiment vrai. Hein, ce que j'avais vu sur des quelques petites. Sur Internet, j'avais vu ça. Et voilà. Donc en vrai on est tout bon. Hein. Si vous voulez faire la même compo, n'hésitez pas à la monter vous-même le PC. Parce qu'en vrai, vous-même, c'est moins cher. Vous achetez
Par exemple, d'aller sur Amazon, vous comparez tous les prix. Moi, c'est ce que j'ai fait au moins pendant un an ou deux. J'ai comparé toutes les pièces, tout, un par un. Carte mère avec une autre carte mère, machin, machin, machin. J'ai tout comparé. Et je me suis fait un PC. Bon, il était cher quand même, mais déjà moins cher de ce que j'avais vu en premier temps sur, sur un site random, tu connais. Donc voilà. Bon, les gars, sur ce, cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a mettre de likes, très important. Aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Plus de vidéos comme ça. Là, je le fais parce qu'en vrai, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, je vous fais une petite vidéo PC Gamer. Voilà, aussi, pensez au follow Twitch. Versus Jean 24, tu connais. Bien sûr, toujours, je suis en live là-bas. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube qui est là. Donc, vous regardez la vidéo sur cette chaîne YouTube. Et pensez au follow Kick. Et bon, mais bon, à plus, ça va être chaud.